salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la patate. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Dans cette vidéo d'information, je vais encore une nouvelle fois vous donner pas mal d'informations qui concernent bien évidemment le DLC import-export de véhicules. Et on va commencer tout de suite avec les premières informations. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage pour la suite. Alors on va commencer tout de suite. Comme je vous l'avais déjà annoncé il y a 2-3 jours, l'employé qui travaille chez Rockstar a tout simplement balancé entre guillemets les prix en grosso modo des nouveaux véhicules qui vont arriver. Je vous avais dit que je ferais une vidéo là-dessus, la vidéo a beaucoup traîné, je vous l'accorde, je suis vraiment désolé. Mais bon voilà, j'ai pas eu trop le temps, c'est pour ça que j'ai sorti qu'une seule vidéo par jour cette semaine. Là j'ai un peu plus de temps, du coup je me permets de faire cette vidéo. Et du coup l'employé de Rockstar nous a dit, donc déjà pour les véhicules spéciaux, donc les véhicules spéciaux type le nouveau camion qui va arriver, le Technical Aqua, la roquette voltique ou même le buggy ramp. Vous voyez là un petit peu le véhicule avec la rampe que Rockstar nous a montré la semaine dernière. Il faudra compter entre 1 million et 5 millions de dollars sur GTA 5 pour pouvoir vous les procurer. Alors comme je vous l'avais dit, le prix est juste abusé, le prix est juste énormissime. Et sachant que la Ruiner 2000 coûtera elle 5 700 000 dollars. Alors je sais pas quelle spécificité elle a cette Ruiner 2000, mais pour qu'une voiture coûte plus de presque 6 millions de dollars, faut vraiment qu'elle ait quelque chose de particulier. J'espère qu'elle peut se téléporter, se rendre invisible, ou qu'il y a carrément des lance-missiles ou tout ce que vous voulez pour pouvoir payer une voiture à ce prix là ensuite pour toutes les autres voitures du style sportive et super sportive, il faudra compter entre 700 000 dollars et 4 millions de dollars, ce qui est encore une nouvelle fois pas donné. Et ensuite pour les nouvelles motos sont assez classiques, on va compter entre 100 000 dollars et 500 000 dollars pour les nouvelles motos. Donc les nouvelles motos, je pense que c'est pas ce qui intéresse le plus de monde. Ce qui intéresse le plus de monde, c'est quand même les nouveaux véhicules what the fuck qui vont arriver. Donc comme je vous l'ai dit, commencez déjà à préparer votre compte en banque pour cette mise à jour, puisque si vous voulez compter, bah vous voulez acheter tous les nouveaux véhicules, il faudra quand même compter plus de 10 millions de dollars. Si vous voulez acheter le nouveau garage à 60 places qui coûtera à mon avis à peu près 5 millions de dollars, vous êtes déjà quasiment à 15 millions de dollars pour l'intégralité de la mise à jour sans la customisation des voitures. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, commencez déjà à économiser, profiter du double RP, du double GTA dollars pour remplir votre compte en banque, car ça va vraiment vous faire mal cette mise à jour. Ensuite, l'autre information qui m'a un petit peu déçu, mais bon là ce n'est pas officialisé bien évidemment, c'est que je m'attendais vraiment à avoir des informations de la part de Rockstar en ce qui concerne ce DLC import-export aujourd'hui, mais malheureusement les informations ne sont pas venues. Et comme certaines personnes me disent, ouais mais Rockstar n'a jamais parlé de trailer, Rockstar n'a jamais dit qu'ils allaient nous montrer d'autres choses, bien évidemment que si, puisque je pense que beaucoup de personnes n'ont pas écouté la vidéo jusqu'au bout où j'ai annoncé que le DLC était officialisé. Rockstar a bien évidemment dit qu'il nous donnerait des informations et surtout des images des nouveaux véhicules what the fuck qui vont arriver sur GTA Online normalement la semaine prochaine. Pour ceux qui se posent toujours la date de sortie de ce DLC, j'ai fait une vidéo bien précise là-dessus hier, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Et on va finir avec cette dernière information qui concerne une nouvelle fois le camion. Je vous avais fait déjà une vidéo il y a 2 jours pour vous parler rapidement du camion, car je pensais que ce camion allait être un camion sportif, un camion de course, un camion de compétition, puisque la catégorie de ce camion était entre guillemets une sportive. Mais selon certains youtubeurs américains et certains américains en général, ce camion serait plutôt un camion dans le style du film Course à la mort, pour ceux qui connaissent. Donc je vous affiche tout de suite une image sous les yeux. Donc voilà à quoi pourrait correspondre ce camion. Alors il y a 2 possibilités, soit il ressemble à ça et ça correspond un petit peu au nouveau véhicule what the fuck qui arrive en parallèle comme la roquette voltique etc, ou soit ça rejoint un petit peu la théorie comme quoi c'est un camion de compétition ou même un camion de course. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao, bye bye tout le monde.